Aujourd'hui, nous allons voir ce que sont les obligations, à quoi servent-elles et quels sont les risques et pourquoi il peut être intéressant de les intégrer dans votre portefeuille d'investissement. Bonjour, je m'appelle Willy de Base Finance et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux obligations ou bonds en anglais. Une obligation est un type de prêt utilisé par l'État d'un pays ou d'une entreprise afin d'emprunter de l'argent auprès des marchés financiers. Ce type de prêt est différent de celui que vous pouvez obtenir auprès d'une banque. En effet, le principal emprunt n'est dû qu'à l'échéance du prêt et non au cours de celui-ci. En revanche, lorsque vous achetez une obligation, vous recevez ce que l'on appelle un coupon. Un coupon, c'est un intérêt fixe que vous recevez à intervalles réguliers tout au long de la durée d'une obligation. Prenons un exemple pour une entreprise qui souhaite emprunter 10 millions d'euros auprès des marchés financiers pour une durée de 30 ans. Elle émet donc un coupon qui donne le droit à ses investisseurs de recevoir un versement d'intérêt de 3% par an. Et ce n'est qu'à la fin de ces 30 ans que l'entreprise remboursera les 10 millions empruntés. Il existe deux types d'obligations, les obligations d'État et les obligations d'entreprise. En France, les obligations d'État sont aussi appelées emprunts d'État ou bons du trésor. Elles sont 100% garanties par le gouvernement français, ce qui en fait l'un des placements les plus sûrs sur le marché financier. Cependant, son rendement n'est pas très élevé comparé aux autres types de placements financiers. Il en va de même pour les entreprises. Une entreprise a deux façons de faire une levée de capital. Vendre des actions ou vendre des obligations. Comme vu dans l'une de nos vidéos précédentes, elle peut émettre des actions, ce qui permet aux actionnaires d'augmenter leurs investissements dans l'entreprise. Elle peut aussi émettre des obligations afin de recevoir de nouveaux capitaux, mais comme les crédits, elle devra rembourser le capital emprunté à la fin du terme de l'obligation. Une obligation est composée de trois éléments, la valeur nominale, le taux du coupon ou taux d'intérêt et le terme. Prenons pour exemple l'État français afin de mieux comprendre comment cela fonctionne. Supposons que l'État français décide d'émettre des obligations qui ont chacune une valeur nominale de 1000 euros. C'est-à-dire que chaque obligation coûte 1000 euros aux investisseurs. Donc si un investisseur souhaite investir plus de 1000 euros, il devra acheter plusieurs obligations. Passons maintenant au taux du coupon. Le taux du coupon est le taux d'intérêt versé chaque année aux investisseurs. La plupart du temps, les intérêts sont versés annuellement, mais il est possible qu'ils soient versés trimestriellement. Dans ce cas, les investisseurs reçoivent un quart des intérêts chaque trimestre. Reprenons notre exemple. Supposons maintenant que l'État français décide d'émettre un coupon de 2% pour chaque obligation. Donc chaque année, les investisseurs recevront 20 euros d'intérêt jusqu'à l'échéance de l'obligation. Et enfin, le dernier élément d'une obligation est son terme. Le terme d'une obligation est la durée pendant laquelle les investisseurs recevront les intérêts associés à celle-ci. Par exemple, si l'État français décide que le terme de l'obligation est de 10 ans, cela signifie que pendant 10 ans, les investisseurs recevront 20 euros chaque année et au bout de 10 ans, chaque investisseur recevra les 1000 euros investis initialement. Il faut savoir que certaines obligations ont une échéance de plus de 30 ans, mais cela ne veut pas dire que vous devez attendre plus de 30 ans afin de recevoir le capital que vous avez investi. En effet, les obligations sont comme les actions d'une entreprise négociées en bourse. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des marchés boursiers, nous avons mis le lien dans notre vidéo à ce sujet en bas de la description. Le fait de pouvoir acheter et vendre des obligations en bourse signifie que vous pouvez recevoir votre capital avant l'échéance de vos obligations et c'est pour cela que chaque obligation a un prix. Ce prix n'est pas mesuré en euros mais en pourcentage. Donc au début, chaque obligation a un prix de 100%, ce qui signifie que vous devez payer 100% de la valeur nominale de l'obligation afin de l'acheter. Si on reprend notre exemple avec les obligations de l'État français, si le cours de l'obligation est de 90%, vous devrez payer 900 euros afin d'acheter chaque obligation. Donc potentiellement, vous pouvez acheter des obligations moins chères. Donc il y a deux manières de gagner de l'argent avec les obligations, en recevant les intérêts grâce au taux du coupon et avec les fluctuations de la valeur nominale de celle-ci en bourse. Maintenant que nous savons tout ce qu'il faut savoir sur les obligations, regardons pourquoi certaines obligations ont un taux d'intérêt plus élevé que d'autres. Pour cela, prenons un exemple entre deux obligations d'État. Supposons que le taux du coupon de l'État français est de 2% et que le taux du coupon de l'État espagnol est de 8%. Cela signifie que vous recevrez plus d'intérêt en investissant dans les obligations espagnoles que dans les obligations françaises. Cette différence entre les taux d'intérêt d'État ou d'entreprise est due à la notation financière, notation de crédit ou encore notation de la dette. Cette notation financière est une mesure de solvabilité de l'émetteur de l'obligation. Les trois agences reconnues dans le monde entier qui émettent ce type de notation financière sont Standard Poor's, SNP, Fitch et Moody's. Les notations de crédit varient de AAA à D. Reprenons notre exemple. Nous avons vu que le taux d'intérêt de l'État français est moins élevé que celui de l'État espagnol. Donc, le fait d'acheter une obligation d'État français est moins risqué que d'acheter une obligation d'État espagnol. En d'autres mots, l'État français a plus de chances de rembourser leurs obligations que l'État espagnol. Donc si l'État espagnol fait faillite, il ne pourra pas rembourser ses obligations ou il pourra seulement les rembourser que partiellement. Le fait de proposer des taux d'intérêt élevés est une manière de dédommager les investisseurs. Maintenant nous allons voir pourquoi investir dans des obligations peut être une bonne idée pour votre portefeuille d'investissement. La première raison est que même si les investisseurs peuvent spéculer sur la valeur nominale des obligations, c'est beaucoup moins risqué que lorsqu'ils spéculent avec des actions d'entreprise. Une autre raison est parce qu'en cas d'insolvabilité d'une entreprise, les détenteurs d'obligations seront remboursés en premier lieu alors que les actionnaires seront seulement remboursés à la fin. C'est pour cela que de nombreux gestionnaires de fonds les utilisent afin de minimiser et de diversifier les risques de leurs fonds d'investissement. Maintenant que vous savez tout concernant les obligations, vous pouvez les inclure dans votre portefeuille d'investissement, que ce soit des obligations d'État ou d'une entreprise, vous pouvez les acheter en passant par les marchés boursiers. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous avez apprécié notre contenu. Nous produisons régulièrement des vidéos et des tutoriels sur les produits financiers et les stratégies d'investissement pour vous faire découvrir le monde de la finance et pour le rendre plus compréhensible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Merci et à très bientôt.